les Béninois, ils font la pêche des crevettes. Donc ils envoient, vous savez, ils envoient leur Dieu là partout. Les vaudous les envoient ça partout. Il allait voir les gens, il dit, ah, on a fait des sorcelleries, là. Ça n'a pas marché. Alors quand ça ne marche pas là, ils ont d'autres méthodes, c'est les fétiches. Donc, il applique son plan B en prenant un cabri noir. Une nuit, ils sont enterrés dans le village en disant tout mon nom. Parler et pour enterrer le cabri. Bien. Et le cabri meurt, Michel est mort. Donc il attend un jour, deux jours, le cabri est mort. Moi je suis vivant. Non. Il explique tout. Le village a commencé à craquer. Je leur ai dit, vous allez à l'église ici, là. Je veux les grosses églises. Yaris. Il y a des petites. Il y a des. C'est quoi ça vous dit? Qu'est-ce que vous mangez? Dieu a posé la question, t'es chrétien, il dit oui, je vais mettre, excusez-moi, je vais dans une église, je ne dis pas le nom de l'église. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais où est l'église de Dieu? Ah, où est l'église? On se connaît ici. Quand on finit l'église, on se rend compte qu'on mange un peu. Comment que je ne l'ai pas trop? Ils n'ont qu'à dire quelque chose aussi. Oui! Moi, dans un village, la moitié est sorcier. Il a parlé. Moi, j'ai fait des actions prophétiques. Il a libéré le village. Je l'ai envoyé à Mauritanie. Quoi? Mais tu dis quoi? Quelqu'un qui a déjà 60, 72 ans, il a fait quoi pour lui? En Mauritanie. Sous la tête. Il m'a pris du Maroc, je l'ai mort. J'ai signé un visa, je lui ai dit qu'il faut partir. Tu as trop mangé. Tiens, va remonter ton business. Et le village a compris. Et il a restitué le pétrole. Et il y a eu le miracle de Jésus. N'écoutez pas, il m'a effrayé. Si t'es un homme pur, il a dit, Seigneur, il faut qu'il n'y ait pas gêné. Tiens, je dois faire 40 jours comme Jésus. Parce que le terrain est trop difficile. Le corps est le lion de l'Égypte. Mais en réalité, ce n'est pas lui le lion. Amen. Amen. Dire quelqu'un en réalité, ce n'est pas lui le lion. Amen. Il y a un seul lion, c'est Jésus. Que le lion de la tribu de Judas, qu'on peut l'acclamer, c'est Jésus. Le lion de la tribu de Judas. Non, lui, seul. Amen. Amen. C'est Jésus. David fait recours à son histoire. Vous dites, c'est moi-même j'ai tué les ours, j'ai tué les lions. Vous avez des histoires. Il a tué les lions. Les sources pour ça donc. Goliath ne les ferait plus peur. Goliath ne les ferait pas. Parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Frère, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ils vont venir vous dire le soir, c'est le matin. J'ai rêvé, j'ai été mangé. J'ai assisté dans sa repos. Le papa dit, l'enfant dit, papa, je t'ai attaché, je t'ai mangé. Le papa se met à genoux, pardon. Pourquoi me manger? Il a commencé à pleurer. Il demande à l'enfant, pourquoi? Il dit, mais il ne paye pas la vie. Maman est sûre, il ne paye pas, il dit, pardon, il est payé. Il a payé valise. Oui, il a payé valise. L'enfant a gagné, il fait son âme. Où il fait? Il paye valise, papa. Pardon papa, on va là, tu appelles papa, tu appelles pas. Papa, pour te faire mon âme. Bébé, faut être gentil, hein, papa. Faut pas manger, on mange pas, papa. Le petit bébé t'a mangé. C'est toi. Amen. Amen. Je l'ai déjà vu. Voici les conséquences de quelqu'un qui n'a pas Jésus. Voici ça. Un enfant veut te manger, tu trembles. Frère, vous ne devez pas avoir peur de Satan. Amen. Il est vaincu à la croix. Amen. Jésus a vaincu ça. Un féticheur ne doit pas vous effrayer. C'est l'homme à qui les féticheurs de la Côte d'Ivoire ils vont tuer. Mais vas-y. Aïe. Toi, tu peux me tuer. Tu sais à qui il écrit. L'affaire de Jésus, là, c'est pas de l'amusement. Ne voyez pas ça comme non, j'allais au ciel, c'est qu'est-ce que si les sorciers m'ont tué, mon âme est sauvée. Tu peux pas m'avoir. Non. Non. Je sais qui est Jésus. Il est comme un lion. Il a des ruses. Il va commencer à vous attaquer. Il va commencer à vous effrayer. Vous dites c'est fini.
La maladie, il a commencé à attaquer ton pied, il a commencé à attaquer ta tête, il a commencé à t'attaquer, c'est fini. Dieu, ça, Satan, il est menteur. Il a démarré un combat. C'est pas lui le vainqueur, c'est toi. Amen. Amen. C'est toi. C'est pas Satan. Satan est vaincu. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Il va même te miraculer des choses dans le rêve. Il va utiliser le rêve. Il va t'envoyer même d'un ami, un ami intime. Quelqu'un qui tu as beaucoup confiance. Il te dit, ah, c'est fini pour toi. Hein? Non, c'est fini. Prier ne peut pas te sauver. C'est une parole satanique. Amen. Amen. C'est une parole satanique. Voilà. Elle est purement des peurs. C'est les conséquences de lever les pieds à l'église. On est dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. 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 N'ayez pas peur. Non. Alors, voilà, bon, maman, allez. Je vais vous montrer quelque chose. On va dans une région. Dès que Fresco chez lui, dans sa région, elle a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler. Et puis le diable a commencé à nous présenter des choses. On mange l'âme d'une femme. On mange. Ils ont mangé l'âme d'une femme, prophète. Voici ça ici, vous voyez? Je reviens encore là-dessus. Donc, je vais vous édifier ce soir. Vous voyez ça? C'est la chair humaine. Et la chair humaine. Voici la dame qui tenait ça. Je suis allé déterrer ça. Je vous explique. J'étais dans un village, à un moment les autres albums, j'étais dans un village, ça c'est la chair humaine, vous voyez. Non, c'est le caméraman. Il filme. Tenez, tenez, regardez. Ça va édifier votre foi. On est dans un village où cette jeune soeur, elle avait donné le sida. Elle a donné le sida à 60 personnes. À base d'une seringue, elle a donné le sida. La seringue est là dans sa main. Vous savez ce travail là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, non, non. Non, ton papa veut te manger. Nous, c'est qu'on a vécu. Quand on ouvre et on regarde, c'est de la comédie. Oui. Le don là, Dieu m'a donné ça. Ça, je ne suis pas. Il y a les coins, je suis allé. Et puis je suis encore vivant là. Je sais que Dieu est puissant. Amen. Donc, dans la confession, faites passer. Non, faites passer dans la maison seulement. Après ça, ceux de Dieu, on voit. Donc, ils disent, la dame, on donne le nom d'une dame, qu'on doit manger. On a déjà mangé. Mais c'est deux villages. Or, le second village, ils ont donné leur part. Les deux villages mangent ensemble. La chair humaine. Donc là-bas, ils ont donné la part du village pour manger. Et les sorciers disent, ils n'ont pas encore mangé, hein, mais ça est dans leur congélateur, ça est dans un canari. S'ils mangent, la femme meurt. Or, on avait la femme là. Écoutez très bien. Amen. Écoutez très bien. Donc, je m'en vais. Du coup, je demande, lui, il était le président des jeunes. Lui, il était le président des jeunes du village. Donc, il active. Pour que le prophète arrive chez lui. C'est parti comme ça. Dès que j'arrive au village, la sorcière commence à se mettre en marche. Les gens commencent à m'inquiéter. Ils ont dit, si tu as pu prendre le canari, on va croire en toi. Oh, le canari, il est ambulant. Il bouge. Il fuit. Il fuit. Moi, je leur ai dit, je vous donne les canaries. Amen. Parce que la femme, là, elle ne va pas mourir. Amen. Non, 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 je ne veux pas permettre que Satan mange les gens. J'ai dit, la dame ne va pas mourir. Donne-moi les feuilles, donne-moi les deux autres contours. Elle ne va pas mourir. On tournait, tournait. Ils ont oublié. J'ai fait ma prière, le canari ne s'est plus déplacé. J'ai localisé le canari. J'ai appelé les gens venir. Pa. On peut sortir du canari. On ouvre, demain. On voit la chair. On voit la chair. Donc, c'était déjà une victoire. Amen. On a vu la chair humaine.
de la dame. Les sorciers nous ont dit, si vous prenez ça, la femme est sauvée. Donc on a attaqué le village et on a pris la chair. On a pris la chair, la patronne de toute la sorcellerie de Fresco, elle dit, je viens. Voilà. Bienvenue. On appelle Kouba en rond. Voilà. La mère de la mort. Elle a un funérail. Elle, quand elle vient dans le village, s'assoit si sous. Non, elle n'est pas là pour vos chaises. Ce qu'elle dit là, c'est ce qu'on doit faire. Une fois. Voilà, la voici là. Donc, elle est venue. Voilà, attends d'abord. Elle vient. C'est moi, elle a, dans une maison, elle récupère une chambre, elle place tout son sentier, et la table, cloche, elle envoie deux qui manger, pour manger le prophète. Ce que je vous dis là, c'est pas amusement, hein. Voilà, voilà, j'ai tenté de la faire déménager de la maison. Voici là où je la faisais déménager de la maison, avec tous les assiettes. Vous voyez, bancs, là, vous voyez la table, avec tout ça. Elle était là deux jours en train de faire des incantations, appelée mon âme. Oui, c'est la patronne de toute la confrérie de Fresco qui a décidé de me tuer. Elle est la sixième sur le plan national. Pour mes amusements, les journaux ont rapporté ça. C'est qui dégradait la côtière. Ok. Donc, je pars, je prie, et puis j'attaque la dame. Je l'attaque. Il lui fait sortir des trucs. Donc, elle est sortie. Elle sortait. J'attends, je vous édifie un peu. Vous dites, vous écoutez Satan. Satan, c'est un comédien. Là-bas, là, donc elle est venue. Et puis ici. Vos pasteurs Choco. Qui sont Choco. Vous savez, nous n'est pas dit. On allait dans le cœur de la Côte d'Ivoire pour chercher les secondes et chefs. Donc, vas-y, ça, j'ai brûlé. Elle m'a dit, si tu brûles, voyez ça, elle dit, si tu brûles, tu es mort. Tu peux tout faire, mais sauf brûler ce qui est dans ma main là. Tu ne peux pas brûler. Je lui ai dit, je vais brûler, moi. Oh mon cœur là, c'est terrible. Je ne sais pas de quoi je brûle, j'ai pas peur. Non. Quelqu'un qui voit, il voit génie, il le chasse. C'est pas, c'est pas crédibilité bizarre. Seigneur, le feu sur les démons. J'ai pris les démons. Nous, on va attraper. On attrape des démons là, mais on attrape. Vis-à-vis. Donc, elle dit, tu te brûles. Voilà, donc on a brûlé. On brûle la chose. Elle a dit, bon, ok. Jusqu'à 18h, quand le soleil s'est couché. Or, moi, je connaissais déjà le pouvoir du soleil. Quand le soleil s'est couché. Je connais tout ça. Soleil, arrête-toi si Gabaon. Il y a des choses que vous devez connaître. C'est nous qui avons parlé aujourd'hui de l'Europe. Vous avez à 4h, 3h30 pour prier. C'est nous qui avons parlé ça. Il y a des choses qu'on a besoin. Et cette année, j'ai enseigné. La semaine prochaine, je vais à l'école. Je vais commencer par une école de prière. Aujourd'hui, je vais donner ça, mais je suis en train de toucher comment le diable, les stratégies, les ruses du diable. Et la semaine prochaine, je vais enseigner la prière. Voilà. Merci. Il retourne la photo. Ici, ça fait très visible. Et quand vous allez remarquer cette photo, vous allez voir deux qui mangent à côté. Non, voyez ça ici. Oui, voyez, mangez ici. Il faut regarder, monsieur. Voici là qui mange ici. Regardez bien la photo. Vous avez deux qui mangent. Elle va venir faire sauce, pépé soupe. On sait, puis on mange un coup. On ne cherche pas, on ne t'accompagne pas avec Adjigé. Ni riz. Pépé soupe. Amen. Regardez bien la photo. Donc j'ai brûlé ça, m'a dit, tu es un homme mort, que c'est fini. J'ai dit, ok. Donc j'ai salué la dame. J'ai dit à la dame, je suis fatigué, mais fais la sieste. Tu vois la maison qui est là-bas, là, c'est ma chambre. Il faut aller maintenant me manger pendant que je dors. Vous avez peur, c'est vous qui avez travaillé. Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Non, Jésus, c'est pas de l'amusement. Vous savez, quand David a réalisé Goliath, il dit, mais moi-même là, voyez ce que Dieu a fait moi. Les ours, les lions, ils avaient déjà une expérience. Dieu, voici ce qu'on faisait moi. Dieu l'a dit de faire. Donc Goliath là, il est fou de lui.
Je m'en fous de lui. Vous annonce les nouvelles, vous tremblez. Mais le même Dieu qui t'a préservé, qui t'a gardé là, il est le même encore pour te protéger. Même s'il attaque, il est toujours là dans ta vie pour te protéger. Pourquoi avoir peur de ce que Satan dit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut écouter bien? Amen. Ok. Je brûle. Et puis, elle dit à 18h, mon cœur va arrêter de battre. Ça, c'est ainsi parle Satan. Pas ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est ainsi parle. Ok. Donc, j'ai dit, voici ma chambre. Comme tu as faim, ça fait quelques jours, dès que tu ne manges pas, comme tu es venu dans le village, on a bouclé le village. Comme tu ne manges pas, tu as mangé. Je vois si Jésus est vivant. Si tu m'as mangé, non, qu'à suivre, non, qu'à suivre le diable. On a dormi. Et je mets mon portable sur le réveil, je dors. Sur le portable, je me réveille à 19h. Je me réveille, ah Seigneur, tu es bon, hein? Je suis réveillé. Tu as été toujours bon. Donc je prends ma brosse à dents, les pattes. Où est la cise? Je vais me brosser là. Je vais me narguer. Madame, vas-y. Elle dit, ah, il dit oui. Quelqu'un t'a cassé la table. Mais c'est bon, fuit. C'est deux dragons. Vos petits pasteurs, vous êtes délivrants. Voyez ça. Elle dit, voici les serpents. Ils sont allés se cacher dans les arbres. Je suis désarmé, je suis vaincu. Moi-même là, c'est qui chante de voir toi. Oui. C'est-à-dire, elle-même, elle découvre une expérience avec moi. Vous comprenez? Un sorcier, les sorciers veulent aussi faire une expérience avec vous. Donc tu dis non, je ne veux pas qu'ils fassent une expérience avec vous. Si, tu veux ou pas, tu veux les sorciers. Mais toi, je ne sais pas pourquoi il a joué. J'ai dit ceci, c'est simple. C'est pas Jésus, j'ai dit, oh, il y a quelque chose en toi. Elle dit, non. C'est pas Jésus, j'ai dit, moi, j'ai tué un prêtre. J'ai tué un pasteur. J'ai dit, les pasteurs, tu tues à pasteur et puis à pasteur. Moi, je suis prophète, je suis désolé. Oh, j'étais dans le village, on m'a annoncé qu'elle est rentrée. Les gens m'ont dit, si tu es intelligent, faut quitter le village. Parce que le combat là, ça a pris une autre dimension. C'est un coup en rond que sur terrain. C'est plus les petits sorciers du village. C'est un coup en rond. La patronne même qui est venue sur terrain t'affronter. J'aurais aidé Jésus gagne tous les buts. Mike. Quel est le terrain miné, Jésus gagne? Moi je fuis. Et le nom de Jésus.
On dit, ah, bon, ça va t'aider un peu, les attaques. Ça fait rien, tu as déterré Canary, c'est bon, l'avion est là, la soeur sera délivrée. J'ai dit, moi, j'allais prendre tout en rond. Quand j'ai dit ça, c'est comme un cochon, ça les effraie. Ils l'ont même vu. J'étais tous effrayés de la voir là assise. Et comme un serpent, il est mort, il peut effrayer les gens. Elle a commencé à confesser, fait des aveux. Ce serpent était détruit. Et Jésus-Christ, son nom a été glorifié. Amen. Ça là, on en a plein. Des témoignages comme ça, on en a plein. Plein. Où les gens font exprès, ils me mettent dans une maison hantée. Maison où les gens ne dorment pas déjà. Tous ceux qui dorment dedans voient les esprits. Qui vient comme ça sur eux, les regarde. Quand il finit, il devient fou. Moi, je rentre. Deux, trois jours, midi, mais. Quand tu dormais, tu es dans la maison. Il n'est rien vu. Ah, tu peux dormir. Et là, c'est tout rouge. Et puis, viens. Tu sais, dans cette maison, on ne dort pas dedans. Bon, comme tu dis, tu es fort. Donc on a testé. Sinon en réalité on ne dort pas. Il y a un monsieur qui est mort là. Il est resté pendant trois jours. On a degré son corps. Après on l'a enterré. Il dit, bon, il ne faut pas chrétien. Il dit, le monsieur dit, il va se venger. Donc il est là. C'est ce qu'ils disent. En réalité, sinon il est mort, il est fini là. Quelqu'un qui est mort, c'est fini, son esprit est parti. Donc, cette maison là même, que nous faisait peur dans le village. Bon, comme toi, tu dis que tu fais ça, tu attrapes, puis tu gardes à faire des trucs. C'est toi qu'on t'a envoyé là-bas. Chaque jour, on te demande, tu dis, tu vois rien. Chaque jour, tu dis, tu vois rien. Chaque jour, tu dis, maintenant, on va te dévoiler les secrets. Franchement, nous, on va à l'église. Hein. Mais ta manière, tu vois, voilà la manière. Ça revient, la manière. Vous pouvez pas dans l'église, vous avez peur. Il dit, non, c'est pas question de. Non, on a prié dans le village zéro. Vous avez prié comme. Vous avez prié. Vrai, il ne faut pas avoir peur du diable. Jésus-Christ l'a fait. Il y a quelqu'un, Jésus a vaincu le diable. C'est pour ça qu'ils sont là, ils portent cornes, hein, les féticheurs là. Ils sont noirs, effrayés. Quand tu le vois, tu trembles. Tu sais quel pilier, monsieur, ça. Il a corne. Moi, quand il va chez lui, Jésus est là. Leur design qu'il met à côté là, ça y est, tu es effrayant, tu as peur. Il est comme, c'est comme ça, il est. Effraie les gens. Mais en réalité, il n'a pas le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est comment Jésus. Oui, il faut comprendre ça. N'accepte pas la défaite. Amen. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas ces paroles mensongères que le diable est en train de mettre. Tenter avec ces paroles pour dire que tu vas mourir, que tu ne t'en sortiras pas. N'accepte pas ça. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas. C'est ce qu'il arrive. Ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'il arrive. Nourris-toi des paroles de Dieu qui n'abandonnent pas. C'est une question de temps. Ce que tu vis là, c'est une question de temps. Mais la victoire est dans ton camp. Amen. Dis amen avec moi. Amen. La victoire est dans ton camp. Amen. Oui. N'aie pas de menaces. N'aie pas de menaces. C'est normal, le jaloux joue son rôle. Il vient, il vous menace. Il viendra vous menacer. Mais il ne prendra pas le dessus. C'est toi qui permettras à Satan de prendre le dessus. Si tu lâches ta foi, si tu t'abandonnes. C'est ça. Or, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Elle est ferme. Elle se démonte en banalisant la chose. Vous dites, Jésus-Christ, au-dessus de tout ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous allez m'attaquer. Mais c'est moi qui prendrai le dessus. C'est qu'il y a la maladie. Mais Jésus-Christ est ma guérison. Amen. Vous avez commencé, Jésus finira par me délivrer. Amen. N'accepte pas la défaite. S'il vous plaît. Amen. 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 Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le diable. Amen. J'ai vécu trop d'expérience avec Jésus. Trop d'expérience. Trop. La puissance de Dieu. Dieu est tout puissant.
Tu es trop puissant. Je suis couché comme ça dans un village. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe sur la toiture. Quand ça tombe, je vois que le bruit s'ouvre. Et puis quelqu'un veut me prendre. Dès que je me lève, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Au niveau de la fenêtre, on me demande pardon. Que le feu est sur nous. Pardon. J'ai déjà vécu ça. Dieu nous garde. Il nous protège. Il nous protège. Amen. C'est ça qu'il a dit aux gens. Vous avez peur, vous êtes en France, vous avez peur de la société. Vous mentez. Non, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Ils ont guette privée, s'il vous plaît. Guette. Ils vont aller chez toi, à Paris, te manger, privée. En 5 minutes, ils ont fini le repas. Tu as Jésus, viens. Tu n'as pas besoin de sortir. Viens, il n'a qu'à faire l'expérience sur toi. Ça n'a pas marché. Il fait l'expérience, ça ne marche pas. Lui, c'est converti. N'est pas. C'est ce qu'il dit les pasteurs de Paris, vous dites aux fidèles, non, n'est pas qu'il au village, ta maman va te manger. Elle t'a déjà programmé. Tu t'y vas là, c'est moi là. Non. Il faut trouver au diable qui est prêt. Affronte le diable. On l'affronte. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher. On est là de marcher sur. On n'a pas dit de se cacher. De marcher sur les scorpions et les serpents. Et si toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. Rien ne pourra vous nuire. Jésus est puissant. Le même monsieur, un grand quincaille, ici, au guichet unique, il est de bon goût. Il finit, il a brûlé sa candidature. Mais il sort du village. Dès qu'il rentre à Bijan, à terre. Bizarre. Vous allez à l'hôpital des grands, c'est bizarre, mais. Or, si Pizan ne t'a pas soigné, c'est Yves Rousseff qu'on appelle pour dire dans quelques minutes, on va vous envoyer un cadavre. C'est bizarre. Et tous les professeurs d'université. Professeur en temps, professeur en temps, professeur en temps. Ils l'ont mis là pendant une semaine. On dit, vous payez cher. C'est des millions dépensés. Le gars là, il va mourir. Oui. Maladie mystique. Donc on appelle ses parents pour dire non, amenez-le là, dans la petite clinique. On sait quand son cœur s'arrête, amenez-le, il vous aime. Et je suis riche. Non, ça, on laisse pas. C'est ça qui est intéressant aussi. Non, 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 laisse pas. Oh, c'est ça. Je laisse pas ça. C'est là, je laisse pas ça là. On m'a regardé une fois à la télé, on appelle, heureusement, ils m'ont eu au téléphone. C'était son temps. Bah oui, moi oui. Bah, c'est pas facile, toi t'as dit. Quand Dieu veut te sauver, il n'y a pas de médicaments. Amen. Amen. Quand ils m'ont eu au téléphone, j'ai dit, moi mais vu que c'était Dieu qui voulait me sauver. J'ai sauté en même temps. Je suis allé, on dit, là où tu es, arrête-toi là. On a envoyé une voiture. Quand j'ai réel la voiture, je sais que c'était un grand. Il y a voiture, il y a voiture. Quand j'ai réel la voiture là. On me montre le monsieur, j'ai dit, maintenant là, pendant que je vous parle, amenez-moi à mon hein? Le pasteur est présenté là, excusez-moi, je les attaque quoi. Mm-hmm. Il dit là, au village, c'est là-bas, il y a le feu. Le feu au village, j'ai dit. Le feu. Moi, mais mettre dans le feu là, pour prendre le feu. C'est tout. Amen, hein. Moi, je monte là-bas. Amen. Mais si on n'a pas enlevé, ça va attaquer d'autres personnes. Mm-hmm. Ils ont compris pour lui, il est guéri. Mais hé, la chose qui est là-bas. J'aurais expliqué, c'est fait quelque chose faire au nom du monsieur. Voici, 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 voici. Il fait comment? Il m'en veut. Ah, prophète! Prophète! Je m'en veux de vous. Rien de tu. Il dit, je vais expérimenter un petit, je vais tuer Jésus. Amen. C'est pas moi. Elle me dit, je vais tuer Jésus, je vais tomber, je vais mourir. Parce que Christ vit en moi. Parce que la propre dit, Christ en nous, l'Esprit de la gloire, il vit en moi. Mais sur j'arrive, moi, et c'est que la boue est minée. Tu es là, tu as l'impression que les choses. C'est pas moustique, hein. C'est que pic, pic. Il faut tenir. Il y a des choses que l'on a fait. C'est que pic. Il faut tenir. Tu ne peux pas. Dans la boue, tu ne peux pas. J'ai vu un peu la misère du gars. Et c'est pas moi seul. Les gars qui m'ont accompagné là, ils ont voit ça. Donc, je ne pouvais pas parler.
Mais si je parais, ça l'a créé une peur. Toi, je dis rien. En général, mets ta couteau dans mon truc. Tu dis non, ça va aller, allons-y. Alors, alors. Allons, front. Moi, je dis, ah, il y a un truc dans mon corps. Sans qu'il fasse. Le maréchal, il quoi dans son corps. Parce que ça m'a déjà fait arriver dans la villa à côté où j'étais en train. Je prends fétiche, j'étais en train de chercher fétiche. Et mon truc, aller attraper fétiche aussi, c'est grave. J'ai fait fétiche. Je vais attraper mon deux bras. Le fétiche a récupéré et je suis coincé. Donc, combattant Satan, sa physique est changée. Combattant Satan, sa physique. Ô éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Ô éternel, ô éternel, chacun sort. Ô éternel, ça devient petit. Ô éternel, je vois qu'il n'y a plus ô éternel autour de moi. Notre Dieu, au départ c'est chaud. Ô éternel, notre Dieu. Oui, tenez, je vois que ça devient petit. Ça devient changé. Sous le maréchal même, on l'a attrapé. Mais nous, on fait comment? Ils m'ont fait. Ah, ils sont partis. Mais deux bras étaient dedans. Moi-même, je voyais même la mort en direct. Parce que mon cœur était électrocuté. Mon cœur souffre, mon cœur. J'ai dit, ça, je ne lâche pas ça. Au nom de Jésus. Amen. Je ne lâche pas ça. Ça. Combat, j'ai vu un pasteur qui m'a touché. Je suis sorti à terre. Je ne sais pas combien de minutes, j'ai perdu conscience. La fétiche, Mes parents ne vont pas me conneries pour aller dans la famille. Ça nous gâte. Oh, ce fétiche là, nous en sommes libérés à cause de la guerre. Donc ce fétiche attend, on dit on parle sur ça, pour battre la guerre, pour combattre, pour gagner. Or, il fallait donner les œufs. Après, c'est devenu poulet. C'est devenu mouton. Ça devient l'homme. Il faut donner l'homme. Ils ont peur de ça maintenant. Ça commence à les tuer. Mais ça, je dois les déterrer. Oh mon Dieu. Il y en a mis des gâtés. Amen. 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 Donc, le gars, monsieur, à Bondoukou, ça nous pique. Je sais que les gens, les gestes ensemble, quand il fait ça, je vois que mon gars, il fait ça. Moi, mais je fais pour moi doucement, mais ça m'est pire. Je fais pour moi doucement. Je touche pas, je n'ai pas fait comme lui. Il va se dire, ah non. Ça le touche aussi. C'est quoi? Je gère la situation doucement. Donc, on s'attrape. On s'attrape à nous-mêmes, on se laisse. Chacun prie. Pour accepter la grâce de Dieu. Je regarde, je pense. Dieu me conduit sous l'onction. Amen. On touche, je tourne, je tourne, je vois la chose, je tourne. Paf, paf, paf. Je mets la main, ça m'a piqué. Petit canari. Et puis il y avait, on appelle lance, petite lance. Flèche. Une flèche des dents. Flèche, petite flèche avec des dents, de toute façon. Et puis, crapaud et les aiguilles. Non, aiguilles, un serpent des dents attachées. Oui. Ça, sur le YouTube. J'ai pris. Quand j'ai pris, la chose s'est arrêtée. Matin, je récupère la chose. Je pars à Bidan et ça. Oui, je pars à Bidan. Quand j'ai arrivé, monsieur, il ne parlait pas. D'abord, quand j'ai fait comme ça, les pieds ont commencé à bouger. Quand j'ai arrivé, nos parents, les fétiches, ils ont les seuls trucs. Faut gâter. Quand j'ai tiré l'aiguille, j'ai vu que j'ai eu la vie dans le corps. Oh! C'est ce que Dieu m'avait demandé de faire, de partir, prendre ça. Ou détruire devant lui. L'arrêt prend la vie. Amen. Donc j'en ai une aiguille. Je vois que ça y est fait sur lui. Ah, les pieds commencent à bouger. J'ai touché là. Je vois qu'il a la vie. Au niveau du cou, quand j'ai tiré l'aiguille, ah, il a crié. Il s'est levé de moi. Si va où la conscience.
Paris, c'est fini, on arrive très bientôt. Je viens avec le groupe. Je suis en train de faire une annonce capitale. Aujourd'hui, je suis en train de faire des réunions sur Paris. Tout en train d'être bouclé parce que j'attendais de boucler mon clip. On a fini le clip. Nous avons expédié les photocopies des passeports. Je viens avec mon groupe. Ça va choper sur Paris. Amen. Nous allons vous amener à comprendre parce qu'il y aura un grand concert. Un grand concert d'abord. Et nous serons maintenant salle pour vous aider à sortir des difficultés. Amen. Voilà, après Paris, nous allons toucher d'autres villes. Ça serait quelque chose de balèze. Mon Dieu est plus fort que le marabout. J'ai dit à la sœur, je suis convaincu que cette semaine, Dieu va te visiter. Allez, sœur, à toi. Vas-y.
marche pas. Vas-y, plus fort. Ça va maintenant? Il est 10 ans, c'est ça? 10 ans. Bon miracle, je t'ai bien dit, je suis pas bien dit. C'est le Saint-Esprit. Et qui c'est le temps de miracle? C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça veut dire. Vous marchez, vous voyez la tenue comme ça. Bravo, vous l'avez dans le début. Je l'ai reçu dans mon bureau. J'ai dit, au lieu d'aller à Zarokores, je suis convaincu qu'il y aura un miracle dans ta vie. Amen. Je suis convaincu du miracle de Jésus dans ta vie. De miracle est parfait. Amen. Nous sommes au vite au miracle. Amen. Je l'ai reçu dans mon bureau. Je lui ai dit, tu bougeras pas, Zaroko. Reste là parce que je suis convaincu que Dieu a commencé à opérer le miracle. Amen. Or, sa tante, oui, sa grand-mère, c'est ça? La grand-mère. La grand-mère, la croyant sorcellerie, elle a vendu ses deux pieds. Elle a voué ici le dimanche passé. Nous avons commencé. J'étais convaincu que les choses allaient changer dans la vie de cette sœur. J'étais très convaincu. Dieu est puissant. Qui l'a vu la dernière fois? Qui l'a vu? La plupart l'ont vu. Ceux qui étaient là à Zaroko l'ont vu. Le dimanche passé, les gens l'ont vu.
Elle ne pouvait pas se tenir seule sur ses pieds. Deux, hein? On la soulève. Voilà, on la soulève. La voici là tout à l'heure, sur ses pieds. C'est un processus qui a commencé. Et Dieu fera le reste. Amen. Ça a commencé, c'est fini. Amen. C'est pour dire que le diable est vaincu. Amen. Quelqu'un ne t'inquiète plus. Dieu contrôle. Oui, ça c'est important. Hein? Bah, Dieu contrôle. Amen. Amen. Madame, viens. Madame qui a donné prière, j'en ai tué à travers un petit. Vous laissez bébé là. Qui t'a envoyé ici, maître Jésus? Qui t'a envoyé ici? Hein? Oui, pour là, vous parlez dedans. C'est quoi? C'est toi, mais Kevin. Pourquoi? Comment tu t'appelles? Agathe. C'est tout, tu es française. Hein? Tu voulais Agathe. Je voulais Agathe. Je dis, quelle est-il? Je suis libérienne. Je suis libérienne. Je suis venue ici là, pourquoi? Je suis venue ici pour me. C'est quoi? Pour la France va poser plainte contre toi. Pour délivrer, c'est vrai? Pour te délivrer. Parce que tu as quoi? Je suis sorcière. Hein? Sorcière. Tu es sorcière là? Oui. Tu es sûr que tu es sorcière? Oui. C'est pour ça que tu es venu ici. La première fois qu'elle est venue ici, elle dit non! Moi, je connais le bruit des sorciers. Les sorciers les bougent, c'est ce qui les tue. Non, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ce qui habite en eux, là, c'est l'esprit du diable. Or, le diable est le père du mensonge. Non, dans le Saint-Esprit, quand on pêche en eux, on regarde un peu et on se confesse. N'est-ce pas? Or, eux, ils s'en foutent de ça. Sans état d'âme. Et ils mangent, tout ça qui c'est normal. Mentir chez eux, c'est normal, c'est bien. Gâter, mais c'est bon chez eux. J'ai dit, j'étais pris un jour dans le bureau là. C'est comme ça mon histoire. C'est toi qui as cherché ça. Quand tu as parlé, on m'a envoyé sa soeur, dit la voici pour la regarder, pour la scanner. Puis j'ai dit, mais elle est sorcière. Avant que vous ne preniez la parole, le scanner a déjà pris ça. Quand il dit que tu étais sorcière, tu as dit quoi? Maintenant tu as reconnu. Parce qu'on t'a frappé quoi. On t'a frappé pour reconnaître. Je non, tu ne réponds pas. On t'a frappé pour reconnaître ou bien tu. Non, m'a pas. Ah. Elle discutait, elle dit, bon, ok, il faut sortir parce que je n'ai pas eu de faire des actions qui vont t'amener loin. Quitte mon bureau. On vient de démarrer février, c'est le mois de février. On est en train de préparer les croisades. On va aller dans les villages, on va attaquer les villages. Et puis, on va attaquer là-bas. Mais ici, tu viens, c'est qui donner les faits là, tu vas me pousser à faire quelque chose. Elle est là, elle n'est pas sorcière, dégage. Va. Elle tourne, tourne. Elle dit, elle est sorcière. J'ai dit, mais vous, pourquoi vos bouches là, ça vous crée des problèmes. Okay. Lundi, je m'en vais à tout temps. On m'a dit, la fille a dit non. On dit que tu as dit lundi que c'est à cause de moi, c'est moi qui l'ai forcé. Tu n'as pas dit. Mais pourquoi tu es parti à Abidjan? J'ai dit ça va continuer. Pour revenir faire quoi? Pour venir défiant. Hein, défiant maintenant. C'est ma fille, j'ai l'aider. J'ai l'aider. Amen. Bon, il n'y en a pas les mêmes cœurs. Toi, peut-être c'est méchant, moi c'est gentil. Moi je te vois comme quelqu'un qu'on doit aider. Oh, le délivreur du temps est piège. Il va tomber dedans, tu vas le manger, elles sont graines. Graines à petit qui te dit dedans. Oui, en réalité, son graine, on met qui dit la paix là. Hein? Maintenant tu es venu pour te faire délivrer là.
Pourquoi tu t'en pièges? Comme si c'était en forêt classée. Madame, ça t'aille pas. J'ai prié pour les gens. J'ai reçu quelques gens. Puis demain, c'est dimanche. Madame, tu es venue à cet événement venu pour te faire délivrer. Oui. Ok, parle. On te force. Je n'ai pas forcé. Hein? Quand tu m'as demandé là, il dit passe mes pardons. Non, laisse affaire de pardon. C'est parce que t'es pardonné que tu es là. J'ai dit, tu es parti à la du temps, non? Oui. Où tu es venu pour te faire délivrer. Maintenant, pourquoi tu mets piège devant la porte pour m'attraper? C'est à toi, de moi. Et si on n'est pas ta délivrance comme ça, hein? C'est toi qui rends ça long. C'est toi qui rends ça court. Viens, on est quelqu'un, viens. Alors, pourquoi elle me piège comme si j'étais un abouti qu'on doit attraper? Tu as attendu bien.